Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la suite de l'unboxing du samedi de la boutique Paint Somewhere avec Fifi, bien sûr. Alors, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, je ne montre pas ma tête en ce moment parce que j'ai des soucis dentaires. Voilà, donc vous ne verrez pas ma tête pendant 2-3 vidéos, je pense. Je m'en excuse par avance et désolé pour la voix qui n'est pas terrible, mais bon, comme c'est des soins sur les dents, ça pose problème. Alors, aujourd'hui, je vous montre la partie Diamond Painting pour la boutique Paint Somewhere. Voilà. Alors, vous voyez que j'ai... Alors, si j'en ai fichu, vous verrez mieux. Voilà. J'ai déjà déballé tous mes sachets de perles. Je vous explique pourquoi. Il y avait des perles dans le paquet, donc je me suis dit, il y a un sachet qui est craqué et ça n'a pas manqué, il y en avait un qui était craqué, voilà, dont ceci, le 948. Et du coup, alors je ne suis pas sûre non plus que c'est parce que j'ai pas récupéré beaucoup de perles. Et dans celle que j'ai récupérée, il y a une autre couleur également. Alors, je vais essayer de vous... Attendez, j'ai enlevé le flash, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Vous voyez, on voit qu'il y a des roses et des beiges. Et je n'ai récupéré que ça dans le paquet. Donc, je ne suis pas sûre que... Je pense que c'est un paquet, voilà, qui est tombé comme ça dedans. Par contre, si c'est un paquet qui va manquer au compte de sachets, bon bah là il y aura un petit souci, mais bon, on verra bien. Du coup, je vais vous montrer les couleurs comme j'y suis. Voilà. Alors, bah, justement, le 948, donc avec son petit sachet supplémentaire. Alors, vous voyez, là aussi, alors je pense que la machine a mal découpé, donc j'espère qu'il ne manque pas de sachet. De toute façon, je vais poser la question à la boutique, parce que là, pareil, le sachet, il en manque un, il est coupé à moitié. C'est juste peut-être un problème de coupe avec la machine. Voilà. Ah, encore une perle qui se promène, on va la mettre sur le côté. Ouais, ces sachets-là sont un peu plus fragiles, je trouve. Bon, là, c'était déjà dans un sachet. Voilà, c'est marqué numéro 3. Un joli jaune. Alors, si je me trompe pas, je crois que c'est des sachets de 200 perles. À part celui-ci, bien sûr, puisque là, vous voyez, c'est un gros sachet. Alors, il floute. Voilà. Donc, voilà, vous avez vu les couleurs. Le kit. Alors, c'est un 40-40, donc un carré en perle ronde. On a, bien sûr, notre petit toolkit. Et voilà l'image de ce diamond painting.
Je l'ai beaucoup aimée, je la trouve très classique. Ah, mais d'accord, des perles qui se promènent. je la trouve très classique, très, très classe, très, c'est très joli, je trouve. Donc, avec ce petit oiseau de toutes les couleurs. Les roses, il y a plusieurs sortes de fleurs. Voilà. Oui, maman, elle est là. Donc, là, la taille. Ici, vous avez la référence du kit. Mais du coup, elle n'est pas, la référence du kit n'est pas sur les perles. Donc, dans ce cas-là, si vous gardez vos kits à plat, pensez à mettre sur le sachet de perles le sachet. Alors, c'est dans un sachet comme ça. Hein. Donc, sur ce sachet-là, pensez à mettre la référence du kit. Si vous gardez vos perles et vos kits à part, bien sûr. Ici, on retrouve en haut à gauche et en bas à droite les références et les symboles. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, c'est les numéros qu'il y a sur... non, ces numéros-là ne sont pas sur les... À part pour les deux gros sachets, comme ça. Voilà. Alors, celui-là, c'est le 12. Et l'autre, c'était le 3. Voilà. Donc, mais sinon, vous allez, sur les sachets, ce sont les références DMC qui y sont. Alors, les symboles. Hop, je vais vous agrandir ça. Ça ne veut pas vous en dire. Voilà. Alors, on a des lettres majuscules. Bah, que des lettres majuscules. Et on a 24 couleurs. Donc, le gros paquet, bah, vous voyez, c'est du 939. Voilà. Et l'autre, c'était le 413. Alors, niveau impression. Alors, est-ce que c'est... Ouais, elle est légèrement pailletée, la toile. Voilà, l'impression. Vous voyez, c'est net. Il n'y a pas de... Y a pas de problème. Donc là, c'est le 939, hein, le W. Voilà. Donc, tout nickel. Bien sûr, je remets n'importe comment, mais bon, c'est pas grave, je remets très bien après. Aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Hein. Je suis shootée aux médicaments, le dentiste, tout. J'en avais pour un quart d'heure, je suis restée 3 quarts d'heure. En plus, Chouchou, pour une fois, il me dit, tu veux que je t'accompagne? Parce qu'avec tes médicaments, si tu as du mal à conduire, je dis, bah oui, de toute façon, il n'y en a pas pour longtemps, c'est juste pour prendre les empreintes. Mais le dentiste m'avait pas dit qu'aujourd'hui il allait me scier mes dents. Voilà. Donc il m'a scié mes 3 dents et du coup ça a pris plus de temps. Là j'ai les dents sciées, j'ai déjà les vis de mise dedans. Donc là pendant 3 jours ça va être de la soupe, du fromage blanc, des compotes. Ça fera du bien à mon poids. Bon, excusez-moi, pain de saumoyer, je parle de mes petites affaires perso en même temps, mais bon. alors, ce kit, il est au prix de 6,99 $. Voilà. Donc, c'était le seul que j'avais à vous montrer aujourd'hui en diamond painting. Voilà. Je verrai par la suite hein, avec Pain de Somme, s'ils me renouvellent leur confiance. Bon, je vous en montrerai d'autres, bien sûr. Oh là, attention, il y a Fifi qui vient de sauter sur la table. Et vas-y, je passe comme je veux. C'est moi la reine, je fais ce que je veux. Ah oui, Fifi. Allez, bon, je vous parle pas plus longtemps, vous comprendrez bien pourquoi. Je remercie encore la boutique Pain de Somme. Et moi, je vous remercie tous de votre fidélité. Je suis très heureuse de vous relire vos commentaires tous les jours. Je réponds au mieux. J'essaie de rattraper mon retard. Ne vous inquiétez pas. Mais je vais tout rattraper. Voilà, je vais essayer de rattraper tout ça ce week-end. Je vous fais à tous de gros bisous.
Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.